Béni soit le nom du Seigneur. Ainsi, nous allons nous préparer, nous mettre debout pour recevoir le serviteur ce soir. Sachant que c'est le président de Diakri qui va nous prêcher ce soir. Alléluia, aimez-vous notre président de Diakri. Les frères Joseph Lokolo, il va nous parler de la part du Seigneur ce soir. C'est celui que le Saint-Esprit avait sélectionné pour aujourd'hui. Alors, préparez-vous pour écouter la parole du Seigneur. Je crois de tout mon cœur que nous serons bénis ce soir. Nous mettons debout maintenant pour recevoir le serviteur. Espirito Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo,
Un esprit ce soir, nous nous attendons au Seigneur. Dieu est bienvenu parmi nous, Seigneur. Ton esprit est bienvenu parmi nous. Courbe la tête pour la prière. Seigneur Jésus-Christ, Dieu bien-aimé, comme il vient de chanter, bienvenue à l'Esprit de Dieu. Nous prions que tu viennes parmi nous ce soir pour nous bénir dans la parole, pour nous bénir par le Saint-Esprit, pour nous remplir de ta gloire, pour guérir les malades, pour délivrer les pécheurs, pour restaurer les rétrogrades, pour chasser loin de nous tout ce qui est du ténèbre, et que ta lumière, et que ta gloire jaillisse dans nos cœurs, dans nos vies, dans ton église, et que ta gloire soit rendue manifeste, car il est écrit, au temps du soir, la lumière paraîtra. Seigneur, bénis mon frère, bénis ma soeur, bénis nos diacres, bénis tes serviteurs, bénis les huissiers, les administrateurs, les conducteurs des chants, les interprètes, bénis les visiteurs parmi nous, bénis notre pasteur en voyage. Merci pour l'adoration. Merci pour les chants. Nous sommes ici ce soir pour la réunion des prières. Et avant de prier, nous voulons écouter ta parole, car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Que toi seul, l'auteur de la parole, le Saint-Esprit, viens ouvrir pour nous la parole, viens donner nous l'interprétation, les contenus, et viens toi seul manifester ta parole. Tu es l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le ténèbre des armées, le dernier puissant dans la bataille. Nous invoquons ton nom, Jésus-Christ, sur cette assemblée, sur cette réunion, et que tous les démons, toutes les maladies, tous les péchés, toute l'hostilité, toute l'incrédulité, tous les soucis de la vie, tous les embrouillements du diable, tous les esprits anti-Christ et anti-réveil soient repoussés, expulsés de cet endroit.
croix maintenant même et elle est tombée au séjour de la mort. Au nom de Jésus-Christ, ravis-nous en esprit dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Seigneur, mets-moi hors chemin et garde aussi l'interprète. Et dis-toi seul qui prêche, dis-toi seul qui interprète, dis-toi seul qui dit Amen et dis-toi seul qui soit glorifié à nous. Merci beaucoup car je te consacre, j'étais parti du service car nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Et amen. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur vous bénisse richement ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ. Étant debout, vous pouvez tourner à gauche à droite. Saluez pour moi votre frère. Saluez pour moi votre frère. Alléluia. Nous sentons bien dans la maison du Seigneur. Nous allons gagner du bon temps. Pour aller directement à la parole de Dieu. C'est un état à la saison est pluvieuse. Merci pour le beau soleil. Si nous ne voulons pas trop vous garder, allons directement à la parole de Dieu. Vous libérez également avant le temps. Dans les livres de Job. De Job, chapitre 38, verset 1 à 7. Et ensuite, nous lirons dans Matthieu, chapitre 2, verset 1 à 6. Si vous avez le temps, vous pouvez aussi lire dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 19. Nous lisons dans le nom de Jésus-Christ, en commençant dans le livre de Job, chapitre 38. L'Éternel répondit à Job du milieu du tourbillon et dit, « Qui est celui-ci qui obscurcit les conseils par des discours sans connaissance ? C'est un terrain comme un homme et je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand j'ai fondé la terre ? Déclare-le-moi si tu as de l'intelligence. Tu lui as établi sa mesure si tu le sais. Ou qui a étendu les cordeaux sur elle ? Sur quoi ses bases sont-elles assises? Ou qui a placé sa pierre angulaire quand les étoiles du matin chantaient ensemble et que nous et que tous les fils de Dieu éclataient de joie? Alafu Bwana akajibu Yobu toka upepo wa kuzunguka akasema ni nani huyu anayetia mashauri giza kwa maneno yaliyo na maarifa? Basi funga viuno vyako kama mwanamume, maana nitakuuliza neno nawe uniambie. Ulikuwa wapi wakati nilipoweka misingi ya dunia? Uniambie kama ukiwa na ufahamu. Ni nani aliye amuru vipimo vyake kama ukijua? Au nani aliyenyosha kamba juu yake? Misingi yake ilifungwa juu ya nini? Au ni nani aliyeweka jiwe lake la pembeni? Wakati nyota za asubuhi walipoimba pamoja na wana wote wa Mungu walipopiga kelele kwa furaha. Nous allons dans Matthieu chapitre 2. Tunaenda ndani ya Mathayo sura 2. C'est le verset 1 à 6. Ni shairi ya kwanza hadi ya 6. Jésus était né à Bethléem en Judée sous le règne du roi Hérode. Or, des mages venant de l'Orient arrivèrent à Jérusalem. Ils demandaient où est le roi des Juifs qui vient de naître. Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus lui rendre hommage. Quand le roi Hérode apprit la nouvelle, il en fut profondément troublé et tout Jérusalem avec lui. Il convoqua tous les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi qui comptaient son peuple et il leur demanda où devait naître le Messie. À Bethléem en Judée, lui répondit-il, car voici ce que le prophète a écrit, et toi, Bethléem, village de Judée, tu n'es certes pas le plus insignifiant des chefs liés de Juda, car c'est de toi qui sortira le chef qui, comme un berger, conduira Israël, mon peuple. Wakati Yesu alipozaliwa katika Bethléem ya Judea, siku za mfalme Herode, tazama wakili wa mashariki walifika Yerusalema
wakisema yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Yuda kwa sababu tuliona nyota yake katika mashariki nasi tumekuja kumwabudu wakati mfalme Herode aliposikia maneno haya alifadhaika na Yerusalemu pia pamoja naye alikusanya wakubwa wa makuhani wote na waandishi wa watu akawauliza pahali Kristo atakapozaliwa nao wakamwambia katika Betlehemu ya Yudea kwa maana ndivyo ilivyoandikwa na nabii nawe Betlehemu nchi ya Yuda wewe ni mdogo sana katikati ya wakubwa wa Yuda kwa sababu kwako kutatoka mtawala atakaye chunga watu wangu Israeli. Vous pouvez vous asseoir, je vais lire dans 2 Pierre 1, 19. Nitasoma ndani ya Petro ya pili sura moja. Et nous avons la parole prophétique rendue plus ferme. Na tuna neno la kinabii ambao inakuwa imara. À laquelle vous faites bien d'être attentif. Ambao mnafanya mzuri kukua uangalifu juu yenyewe. Comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Sawa ta ambao inangaa jusqu'à ce que le jour ait commencé à luire, que l'étoile du matin se soit levée dans vos cœurs. Que Dieu bénisse sa parole dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Donnons une main d'acclamation à l'Éternel. Ainsi, je salue chacun de vous dans le nom de Jésus-Christ et que la paix du Seigneur soit avec vous. Je remercie notre pasteur pour le temps, les jours qu'il m'a accordé pour vous parler à sa place de la parole de Dieu. Que Dieu le bénisse pour la confiance. Que Dieu vous bénisse pour vos prières. Nous comptons sur vos prières. Car sans vos prières, nous ne pouvons rien. Nous sommes à l'avant-dernière semaine de l'année. Je crois que nous sommes en train de prier et nous consacrer et de nous abandonner entre les mains de Dieu. Que nous puissions terminer l'année, chacun de nous, avec une grande bénédiction de la part de l'Éternel. Je vais prêcher sur un sujet. Si vous avez déjà écouté, si vous avez déjà aussi prêché beaucoup de temps avant, il a plu au Saint-Esprit que nous puissions encore parler de cela. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Je ne saurais pas tout dire. Mais le Saint-Esprit connaît ton besoin. Le Saint-Esprit connaît notre besoin. Il va vous donner ce qui va vous bénir. Mon sujet, c'est une prédication de Frère Branham de 1963. Il a intitulé « Nous avons vu son étoile et nous sommes venus pour l'adorer. » Amen. Nous avons vu son étoile et nous sommes venus pour l'adorer. Nous, c'est qui? Ce n'est pas n'importe qui. Nous, ici, il s'agit de toi et moi qui avons reçu le grand privilège de la part de Dieu de recevoir le message du temps de la fin. Alléluia. Ce n'est pas les catholiques, ce n'est pas les protestants, ce n'est pas les musulmans, ce n'est pas les baptistes, ce n'est pas les presbytériens, ce n'est pas les gens du monde, mais ce sont des gens qui ont reçu la révélation que dans ce temps de la fin, Dieu a envoyé un message. Et ce message, nous l'appelons le message du temps de la fin. Pourquoi le message du temps de la fin? Parce que nous croyons que maintenant, nous sommes au dernier âge, l'âge de l'Odyssée. Le dernier âge parmi les sept âges de l'Église et dans l'âge
de la Odyssée, nous ne sommes pas au début de l'âge, nous sommes déjà à la fin de l'âge de la Odyssée. Dieu a envoyé un prophète avec un message, il a prêché et Dieu l'a déjà retiré de la scène, il est parti dans la gloire. Alors nous sommes au temps de la fin et nous sommes ces gens-là que Dieu a prédestinés au temps de la fin à recevoir ce message prophétique. C'est pourquoi Pierre a dit, vous faites bien de faire attention à cette parole prophétique. Il dit, et nous avons reçu la parole prophétique rendue plus ferme, à laquelle vous faites bien d'être attentif. C'est-à-dire les gens qui ont vu, les gens à qui Frère Branham a adressé ce message en 1963, ce sont des gens qui ont reçu la parole prophétique. C'est un peuple prophétique pour un temps prophétique et ils ont reçu une parole prophétique. C'est pourquoi nous faisons très attention à ce message ici, car ce message nous conduit à quelque chose. Ce message nous prépare à quelque chose. Si vous voulez vérifier les événements, si vous voulez surveiller les événements, si vous voulez connaître la signification des événements, référez-vous à cette parole, car c'est une parole prophétique. Tout ce que la bouche du prophète a parlé pour nous, ça va arriver. Tout ce que la bouche du prophète a parlé pour les gens du monde, ça va aussi arriver. C'est la parole prophétique. Alléluia. Alors nous avons vu, nous, c'est toi et moi, les gens qui sont sortis du monde, les gens qui sont venus recevoir le message de l'air et temps. Nous avons vu son étoile et nous sommes venus pour l'adorer. Voir signifie quoi? Frère Branham me dit, voir, ce n'est pas ouvrir grandement les yeux comme ça, ouvrir grandement les yeux comme ça. Non, il dit voir, ça signifie comprendre. Alléluia. Nous avons vu son étoile et nous sommes venus pour l'adorer. Nous avons compris qu'il y a un message lumière. Nous avons compris que dans ce temps de la fin, il y a une promesse pour nous. Il y a une promesse pour vous. Je vous enverrai Élie le prophète avant le jour grand et redoutable, et il ramènera les tiens des enfants au Père apostolique. Il vous ramènera à la foi des pères avant que Dieu puisse venir frapper ce pays de l'interdit. Nous avons compris cela. Nous avons compris qu'aujourd'hui, nous avons la promesse du baptême du Saint-Esprit. C'est pour moi, c'est pour toi, c'est pour l'Église, c'est pour les croyants, c'est pour le peuple du temps de la fin. Nous avons compris que le Saint-Esprit existe. Nous avons compris que la guérison est aujourd'hui dans l'Église. Dieu guérit les malades. Dieu continue à opérer des signes, des miracles et des prodiges. Nous avons compris que ce message a le pouvoir de changer la vie des gens. Même si tu étais immoral, même si tu étais pécheur, même si tu étais alcoolique, même si tu étais drogué, nous avons compris que dans ce message, il y a la puissance transformatrice.
Alléluia. Amen. Voir signifie comprendre. Fahamu. Nous avons vu tumeona que Dieu Mungu est dans ce message. Nous avons compris que ce message, ce n'est pas un homme, ce n'est pas la théologie, ce n'est pas le séminaire, mais ce message est le ainsi dit le Seigneur. C'est la parole prophétique à laquelle nous faisons attention. Frère, fais attention au message. Sœur, fais attention au message de Branham. Église, faisons attention au message du temps de la fin. Celui qui l'a amené, ce n'est pas le prophétique, c'est un prophète confirmé. C'est la parole prophétique. Nous avons compris. Est-ce que en venant pour adorer, tu as vu quelque chose? C'est ça la grande question. En venant pour adorer, est-ce que tu as compris quelque chose? Mon frère et ma soeur, toi qui es dans le message du temps de la fin, les gens qui sont dans le message de Branham, est-ce qu'ils ont vu quelque chose? Est-ce qu'ils ont compris quelque chose? Qu'est-ce que tu as vu en venant dans ce message? Est-ce que tu as vu un grand bâtiment? Si tu as vu un grand bâtiment, un étage, mon cher ami, je te dis, tu es à côté, ce n'est pas ça. Nous n'avons pas vu le bâtiment. Nous ne voyons pas le bâtiment. Quand je viens ici, je ne vois pas le bâtiment. Qu'est-ce que toi tu vois en venant ici? Est-ce que tu as vu un homme? Est-ce que tu vois les voitures qui sont à l'extérieur là-bas? Est-ce que tu as vu les jolies filles qui sont ici? Est-ce que tu as vu les beaux garçons qui sont ici? Est-ce que tu as vu les gens qui portent des beaux vestes? Qu'est-ce que tu as vu, mon frère et ma soeur? Tu es venu ici, c'est bien. Tu es entré ici, c'est bien. Mais en réalité, tu as vu quoi? Chacun à sa façon, tu es venu dans le message. Chacun a vu quelque chose. Mais toi, tu as vu quoi? C'est une question importante. Parce que si tu as vu des bâtiments, un jour tu partiras. Si tu as vu des jeunes filles jolies, un jour tu partiras. Si tu as vu des beaux garçons, un jour tu partiras. Si tu as vu les vécu une voiture, un jour tu vas partir. Tu as vu quoi? Mais la Bible dit, ces mages-là ont dit, nous avons vu son étoile et nous sommes venus l'adorer. Alléluia. J'aime cela. C'était des gens qui faisaient des recherches. C'était des gens qui adoraient le seul vrai Dieu. C'était des gens qui étudiaient les prophéties. C'était des gens qui sondaient les écritures. Frère Branham a dit, c'était des gens qui étudiaient les étoiles. Quand ils dans les étoiles, ils voyaient des événements. Car ils savaient que Dieu ne fait rien sur la terre avant de projeter cela d'abord dans le ciel. Avant qu'un événement majeur arrive sur la terre, Frère Branham a dit, Dieu projette cela d'abord dans le ciel. Nous avons vu son étoile et nous sommes venus pour l'adorer. Alors, il n'avait pas vu un credo, il n'avait pas vu l'église, il n'avait pas vu peut-être tabernacle, il n'avait pas vu des véhicules, il n'avait pas vu un bâtiment, ils avaient vu la lumière. Alléluia. L'étoile
donne la lumière. L'étoile éclaire dans l'obscurité. L'étoile est là pour donner la lumière. Est-ce que tu as vu la lumière ici? Si tu as vu la lumière ici ce soir, si tu as vu la lumière ici à Bethel-Tabernacle, tu vas avancer très loin. Rien ne va te décourager. Peu importe que les gens croient, que les gens ne croient pas, que les gens viennent, que les gens ne viennent pas, que les gens vous critiquent, tu ne critiques pas. Toi, tu as vu ici, il y a la lumière, il y a une étoile, tu pries ici, il y a une lumière, tu pries ici, tu as vu cela, c'est pourquoi tu es venu ici. Alléluia. Peut-être tu vas dire, je ne vois rien. Je ne vois rien dans ce monde à terre. Les démons voient la lumière plus que les gens qui prétendent être les gens de l'église. Ce que les gens appellent démons, les démons appellent ça, c'est Dieu. Et ce que les gens appellent, ça c'est Dieu. Le diable dit ça, c'est moi, c'est le diable. Tu as vu quoi? Ils ont dit, nous avons vu son étoile et nous sommes venus pour l'adorer. Et frère Branham dit, une étoile c'est quoi? Il dit, une étoile reflète la lumière, non pas sa propre lumière, mais la lumière du soleil. Elle reçoit la lumière du soleil et elle transmet sur la terre. Elle reçoit la lumière du soleil et elle transmet sur la terre. Alléluia. Ce n'est pas sa propre lumière, c'est la lumière du soleil qui le reflète. Je vais lire les prophètes. Exposé. Merci beaucoup. Là où le temps va s'arrêter. On va arrêter. On va continuer demain. Exposé. Page 231. C'est vers le deuxième paragraphe. Il dit ceci. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Selon Apocalypse 22:16. Et 2 Pierre 1:19. Jésus est l'étoile du matin. Jésus la racine et la postérité de David, l'étoile brillante du matin, jusqu'à ce que les jours viennent apparaître et que l'étoile du matin s'élève à vos cœurs. L'Esprit fait donc une promesse en relation directe avec lui-même aux élus de l'âge des ténèbres et ensuite à ceux des âges à venir. Comme nous l'avons déjà dit, Jésus s'identifie au messager de chaque âge. Il reçoit de lui la révélation de la parole pour chaque période. Cette révélation de la parole fait sortir du monde les élus de Dieu. Alléluia. Et les unis entièrement à Jésus-Christ. Ces messagers sont appelés des étoiles. Pourquoi cela? Parce qu'ils brillent d'un éclat emprunté. Voilà, il prie d'une gloire emprêtée. Ce n'est pas sa propre gloire, ce n'est pas sa propre lumière. Il reçoit de Jésus-Christ et transmet sur l'église. Luther a reçu la lumière pour son temps et il a transmis aux gens de son âge. John Wesley a reçu la lumière de son temps, la sanctification, et il a transmis à l'église. Les pentecôtistes ont reçu la lumière de leur temps, la restauration des dons du Saint-Esprit, et ils ont transmis à l'église.
C'est une lumière empruntée. Ce n'est pas leur propre lumière. Ils reçoivent de Jésus-Christ. C'est pourquoi chaque étoile, chaque messager, chaque prophète messager de chaque âge de l'Église a pointé les gens vers Jésus-Christ. Ils n'ont pas prêté les gens vers eux-mêmes. Suivez-moi Luther, suivez-moi John Wesley. Ils ont prêté les gens vers Jésus-Christ, la parole. Ils ont ramené les gens à la parole. Alléluia. Attaquez des messagers. Je continue. Il dit ceci. Oh là là. Il s'identifie au messager et il reçoit de lui la révélation de la parole pour chaque période. Cette révélation de la parole fait sortir du monde les ennemis de Dieu et les unit entièrement à Jésus-Christ. Ces messagers sont appelés des étoiles parce qu'ils brillent d'un éclat emprunté. C'est la lumière du Fils Jésus lui-même qu'il reflète. Ils sont également appelés des étoiles. Pourquoi? Parce qu'ils sont les porteurs de la lumière dans la nuit. Ainsi, dans l'obscurité du péché, ils apportent la lumière de Dieu à son peuple. Alléluia. Chaque étoile messager de chaque âge a apporté la lumière aux gens de son temps. Et cette lumière fait sortir les gens de l'obscurité du péché, retirer les gens de l'obscurité des credos, retirer les gens de l'obscurité des dénominations, retirer les gens de l'obscurité des maladies, des problèmes, les amener dans la grande lumière. L'étoile principale qui est le Seigneur et notre Sauveur, Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Frère Branham dit, les ministres sont des étoiles. Les messagers sont des étoiles. Si vous voulez être dans la lumière, vos prédicateurs doivent être des étoiles. Ils doivent être des prédicateurs étoiles. Votre pasteur doit être un pasteur étoile. Alléluia. Quand il se tient devant vous, il vous amène la lumière de la vie. Quand il se tient devant vous, il vous amène la lumière de la guérison. Quand il se tient devant vous, il vous amène la lumière des bénédictions. L'obscurité du mal quitte votre vie. L'obscurité du péché est chassée de votre vie. L'obscurité des malédictions est chassée de votre vie. L'obscurité de la mondanité est chassée de votre vie. Et finalement, vous-même, homme ou femme, frère ou bien soeur, vous devenez aussi des lumières pour les gens. Alléluia. Amen. Si ce n'est pas ça, si le pasteur n'est pas une étoile, si les prédicateurs ne sont pas des étoiles, vous resterez dans l'obscurité, vous resterez dans les ténèbres, vous n'avancerez pas. C'est pourquoi, quand je parle dans une église du message, quand tu parles dans une église du message, il faut regarder, non pas les bâtiments, ne regardez pas les bâtiments, ne regardez pas la parole, mais regardez bien, comprenez bien, est-ce qu'il y a un pasteur étoile ici, est-ce qu'il y a des ministres étoiles ici, pour m'amener dans la lumière. Si ce n'est pas ça, toi aussi, tu vas entrer dans l'obscurité, comme les pasteurs dans l'obscurité, les croyants dans l'obscurité, l'église dans l'obscurité, vous restez dans l'obscurité. Tu dois prier. Dieu, conduis-moi
Mungu je vais aller adorer où? Je vais aller prier où? Est-ce qu'il y a la lumière ici? Est-ce que Dieu agit ici? Est-ce que le Saint-Esprit est ici? Est-ce qu'il y a la guérison ici? Est-ce qu'il y a la vie sainte ici? Est-ce qu'il y a la puissance de Dieu ici? Est-ce que Jésus-Christ est élevé ici? N'allez pas entrer seulement pour entrer haut. Ça c'est l'église, ça c'est l'église. D'autres églises, les autres des églises et des noms. Cherchez là où il y a la lumière. Attendez là où il y a des étoiles. Attendez là où il y a les bénédictions. Attendez là où il y a le Saint-Esprit. Attendez là où il y a la gloire de Dieu. Allez adorer là. Oh alléluia. Oh alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Sainte bonne Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Nous avons vu son étoile et nous sommes venus pour l'adorer. Ils ont vu une lumière. Ils ont vu quelque chose. Tu étais en train de prier. Frère bien-aimé, sœur bien-aimé, église de Dieu, le monde est dans les ténèbres. Que personne ne vous trompe. Le monde est dans les ténèbres. Ne regardez pas ces ampoules. Ne regardez pas ces lumières. Le monde actuel est dans l'obscurité profonde. L'obscurité du péché. L'obscurité de la politique. L'obscurité des faux enseignements. L'obscurité de l'idolâtrie. L'obscurité des maladies. L'obscurité des problèmes. Regardez à gauche, à droite. Le monde actuel est dans les ténèbres. Le monde est dans les ténèbres. Nous avons vu son étoile et nous sommes venus pour l'adorer. Les ministres de Dieu sont donc des étoiles pour l'église. Chaque prophète, messager de l'âge, est l'étoile et la lumière pour son âge. Avant de continuer, Frère Branham dit ceci: ce n'est pas seulement les prédicateurs, ce n'est pas seulement les prophètes, ce n'est pas seulement les ministres qui sont des étoiles, mais chacun de vous, tel que nous sommes assis ici, prédicateur ou pas, pasteur ou pas, diacre ou pas, tu es une étoile de Dieu. Toi, si tu es rempli du Saint-Esprit, tu es une étoile de Dieu, c'est toi. Tu es une étoile, tu es la lumière dans ta maison, tu es une étoile dans ta famille, tu es une étoile dans ton quartier, tu es une étoile peut-être dans le village tout entier, c'est l'obscurité, toi tu es l'étoile pour ce village-là. Je vais lire les prophètes. Il me reste 13 minutes pour aujourd'hui, de la prédication, cet âge de l'église. Paragraphe 35. Ce n'est pas l'exposé, c'est cet âge de l'église. Les cet âge de l'église brochure. Il a prêché en 1954. Il dit ceci: 220. Nous descendons. Tunashuka. Et les étoiles. En fait, il tient chaque étoile. Regardez. Pour mieux nous juste, nous arrêter une minute. Je sais qu'il est très parti. J'aimerais que vous saisissiez ceci. J'aimerais que vous saisissiez ceci. Une étoile représentait un ministre. Vous avez écouté? Une étoile représentait un ministre. Mais pas n'importe quel ministre. Il continue, il dit: une étoile représentait un ministre loin de l'esprit d'en haut.
un ministre rempli du Saint-Esprit, un ministre né de nouveau, plein de la gloire de Dieu, plein de la puissance de Dieu, qui vit la parole de Dieu, qui vous apporte les promesses de Dieu, il est une étoile pour vous. Nous en avons besoin. Vous en avez besoin. L'Église en a besoin. Bethel Tabernacle en a besoin. Si vous en avez, vous devriez être reconnaissant. Si vous avez des ministres, loin de l'Esprit de Dieu, loin de la gloire de Dieu, vous devriez être reconnaissant à Dieu et dire merci Seigneur Jésus-Christ. Vous ne devrez pas fuir la réunion des prières. Vous ne devrez pas fuir la prédication parce que vous avez la lumière parmi vous. Une étoile représentait un ministre loin de l'Esprit d'en haut. Il est une étoile pour toi. 221. Savez-vous que vous représentez une étoile dans le ciel et que chaque étoile du ciel vous représente? Ce soir, Dieu te dit, tu n'es pas n'importe qui, tu n'es pas n'importe quoi. Ce soir, le Dieu de Branham te dit, tu es une étoile entre les mains de Dieu, ici sur la terre, tu représentes une étoile, et dans le ciel, une étoile te représente. Je vais relire. Savez-vous que vous représentez une étoile dans le ciel et que chaque étoile du ciel vous représente? Savez-vous que Dieu avait dit à Abraham que sa postérité serait comme les étoiles du ciel? D'abord, ils étaient comme du sable sur la terre. Ensuite, dans la résurrection, ils étaient des étoiles dans le ciel, innombrables. Savez-vous que Jésus est l'étoile brillante du matin, la plus grande de toutes les étoiles du ciel? Abraham dit, oh alléluia. Quand j'y pense à cela, quand je pense que moi je suis une étoile de Dieu, mon âme est tressaillie de joie. Alléluia. Balo baba lo bate, balinga yo balinga yote, batala yo batala yote, baye bayote, bakomela yote, baye bakombo na yo, kombo na yo ye banate, mafu yo salinde, monzoto yo sali, etoile na maboko na nsambe. Alléluia. Ce n'est pas un homme qui les a placés là. C'est Dieu le Créateur qui les a placés là pour éclairer le monde. Et si Dieu les a placés là comme des luminaires, qui peut les déplacer de là? Qui peut changer leur position? Mon frère, ma soeur, si Dieu t'a placé dans l'église, comme une femme étoile, comme un garçon étoile, une fille étoile, un prédicateur étoile, qui va te déboulonner de ta position? Qui va te déboulonner de ta position? Personne ne peut le faire. Les étoiles de Dieu sont placées par Dieu. Les étoiles de Dieu sont établies par Dieu. Les étoiles de Dieu sont prédestinées par Dieu. Elles sont là par la volonté parfaite de Dieu.
Elles sont là pour éclairer le monde. Elles sont là pour amener l'espoir de vie. Elles sont là pour refléter la lumière du grand soleil, le Fils de Dieu. Frère, le monde a besoin de toi. Sans toi, le monde est dans les ténèbres. Sans toi, le monde est dans le chaos. Soyez une étoile là-bas à l'école. Soyez une étoile à l'université. Soyez une étoile dans la police. Soyez une étoile dans l'armée. Soyez une étoile dans la famille. Soyez une étoile partout que les gens voient la lumière de Jésus-Christ dans votre vie. Tu es l'étoile de ton avenir. Tu es l'étoile de ton quartier. Tu es l'étoile de ta famille. Si les gens ont besoin de la lumière, ils doivent compter sur toi. C'est pour cela. Je crois fermement qu'un chrétien ne doit pas mener une vie hypocrite. Un chrétien ne doit pas mener une vie gnoca-gnoca. Un chrétien ne doit pas mener une vie obscure. Un chrétien ne doit pas mener une vie flou-flou. Ni chaud, ni froid, ni froid, ni chaud, ni chrétien, ni païen, ni membre de l'église, ni non-membre de l'église. Non. Quand les gens vont te regarder, ils vont dire, mais c'est une femme étoile, c'est un homme étoile, mais je ne vois pas clair, je ne vois pas la lumière. Qu'est-ce qui se passe? Refléter la lumière de la parole. Refléter la lumière de Jésus-Christ. Tu es une étoile de Dieu. Même si les ténèbres viennent, l'étoile est là. Même si tu sors à l'extérieur, tu regardes en haut, tu dis, il n'y a pas des étoiles. Elles sont là. Même si tu dis, oh, ici, peut-être, elles sont là. Les filles de Dieu sont ici. Ils sont là. Les fils de Dieu sont ici. Dieu les a placés ici pour refléter la lumière. Dieu les a placés ici pour refléter la gloire de Dieu. Ce sont des hommes, ce sont des femmes prédestinées depuis avant la fondation du monde à être remplis du Saint-Esprit, à être alimentés de Christ. Ce sont des gens qui ne sont jamais tristes. L'étoile n'est jamais triste. Non. Il est l'argent, il est joyeux. Il n'est pas l'argent, il est joyeux. Il vient à l'église, il est joyeux. Il est à la maison, il est joyeux. Partout là où il est toujours heureux. Il est toujours joyeux. Il brille toujours. Il rayonne toujours. Il reflète toujours la gloire de Dieu, le Saint-Esprit. Quand vous le regardez, vous voyez la gentillesse. Quand vous le regardez, vous voyez le pardon. Quand vous le regardez, vous voyez la beauté. Quand vous le regardez, vous voyez la longanimité. Quand vous le voyez, vous voyez la paix. Et il reflète toujours la lumière. La lumière des étoiles est toujours là. Même si les brouillards viennent, les brouillards des problèmes, les brouillards des circonstances, les brouillards des situations, les brouillards des difficultés, même si il y a un sipi, je vois que ici, il n'y a pas de chrétiens, il n'y a pas des enfants de Dieu, et là les pamba, non, ils sont là.
Dieu a dit à Job, toi tu te lamentes, toi tu te lamentes, toi tu me poses des questions. Oh ma situation, oh ma condition, où étais-tu Job quand j'ai posé les fondements de la terre et que les étoiles du matin éclataient ensemble avec des joies, ils se réjouissaient, ils disaient gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci pour la création de Dieu. Il vient de créer ceci. Il vient de poser les fondements de la terre, les étoiles de Dieu, les fils et les filles de Dieu. Ils étaient là. Ils regardaient comme à leur père, le créateur, créer l'univers, poser les fondements de la terre et ils se réjouissaient. Il se réjouissait. Il glorifiait. Oh, merci Jésus. Frère, qu'est-ce que tu fais de ta lumière? Frère, qu'est-ce que tu fais de ta lumière? Dieu t'a donné des lumières divines par le Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu fais avec cela? Tu dois croire que tu es une fille de Dieu. Tu dois croire que tu es un fils de Dieu. Tu dois croire que tu es béni. Tu dois croire que Dieu a un bon projet pour toi. Tu dois croire que tu es la bénédiction pour ta famille. Il y a des familles là où tout le reste est noir. C'est peut-être la maman seulement qui est l'étoile de la famille. C'est elle qui brille. C'est elle qui donne la gloire pour la famille. Tout le reste sont des alcooliques, des drogués, des immoraux, des bandits, des pécheurs, morts au caca. Les gens regardent et disent, au moins il est cool. Atako c'est lui que nous voyons. Il ou bien elle donne de la lumière. Tu ne commandes à yende. Tout le reste est là, moli. Nous avons reçu la grâce de Dieu. Nous avons reçu le Saint-Esprit. Nous avons reçu le message de l'heure. C'est pour adorer Dieu avec. Alléluia. Amen. Je vais m'arrêter dans une minute pour aujourd'hui. Ils ont dit, nous avons vu son étoile et nous sommes venus pour adorer. Frère, quand nous venons ici, c'est pour adorer Dieu. Nous ne venons pas pour autre chose. Notre objectif d'abord, c'est pour adorer Dieu à travers nos prières, à travers nos louanges, à travers nos amens, à travers nos alléluia, à travers la parole qui sort. Nous venons ici pour adorer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Mais il y a des gens qui ne viennent pas à l'église pour adorer. La façon dont il est venu, c'est la façon dont il va rentrer. Il n'a pas prié. Il n'a pas dit amen à la parole. Il n'a pas confessé ses péchés. Il n'a pas payé ses offrandes. Il regarde seulement. Quand les gens disent amen, il regarde. On dit alléluia. Il regarde. On dit merci Jésus. Il regarde encore. Tu es venu adorer ou bien tu es venu faire quoi? Nous sommes venus ici pour chanter des cantiques. Nous sommes venus ici pour dire merci Jésus pour notre salut. Nous sommes venus ici pour dire gloire à Dieu. Tu es le roi des rois. Tu es digne. Tu es le prince de paix. Tu es Yahweh, tu es l'incomparable. Et quand Dieu voit ses fils et ses filles l'acclamer, l'adorer, l'exalter, alors il est très content.
Écoutez ceci. Les mages ont vu l'étoile. Quand ils ont vu l'étoile, nous avons vu que l'étoile, ce sont les messagers, ce sont les ministres. Quand ils ont vu l'étoile, là-bas en Orient, lisez très bien la Bible. Ils ont vu l'étoile là-bas en Orient. Ils ne se sont pas mis à genoux pour commencer à adorer l'étoile. Non. Les mages n'ont pas adoré l'étoile. L'étoile, c'est le messager. L'étoile, c'est le guide qui les a amenés là où il y a l'adoration. Alléluia. Ils ont voyagé des ans. Ils regardaient l'étoile. Ils avançaient. Ils regardaient l'étoile. Ils avançaient. Ils regardaient l'étoile. Ils avançaient. Pendant des ans de voyage, jusqu'à arriver à Jérusalem. Et quand l'étoile avait qu'ils soient arrivés à Jérusalem, l'étoile s'est arrêtée sur Bethléem, là où il y avait l'enfant Jésus, le Messie. Et quand ils sont arrivés à Jérusalem, les mages ont dit, nous avons vu son étoile, nous sommes venus pour l'adorer. Frère, le messager étoile, le messager prophète de notre âge, c'est le prophète William Marion Branham. Ondima, ondimate, olinga, olingate, oboya, oboyate, oloba, olobate, otonga, otongate. William Branham, azali prophète, messager, étoile, pour l'âge de Laodicée. Nous avons vu la lumière briller, le message du temps de la fin. Nous voyons la lumière de l'étoile, du messager. C'est que le messager dit, nous suivons cela. Nous voyons ce que le messager a dit, nous suivons cela. Nous lisons qu'est-ce qu'il a dit du mariage, nous suivons cela. Qu'est-ce qu'il a dit du baptême, nous suivons cela. Qu'est-ce qu'il a dit de l'enlèvement, nous suivons cela. Qu'est-ce qu'il a dit de la guérison, nous suivons cela. Nous sommes dans notre voyage et nous sommes éclairés par la lumière du messager. Et le messager prophète ne vous conduit pas à lui-même, il vous conduit à la grande étoile. Il vous conduit à l'étoile principale. Il vous conduit à Jésus-Christ. Nous avons vu son étoile. Nous sommes venus pour l'adorer. Ici à Bethel, nous adorons Jésus-Christ. Ici à Bethel, Jésus-Christ est seul et adorable. À part Jésus-Christ, nous n'adorons personne. Si je prie pour toi, tu es guéri de ta maladie, ne m'adorez pas. Si le pasteur a prié pour toi, tu es guéri de ta maladie, n'adorez pas le pasteur. Si un ministre étoile a prié pour toi, tu as eu la solution, n'adorez pas le prédicateur. Ils n'ont pas adoré l'étoile messager, mais l'étoile messager les a conduits jusqu'à Bethléem. Et quand ils sont arrivés là-bas, ils ont sorti l'or, ils ont donné, ils ont sorti l'encens, ils ont donné, ils ont sorti la mire, ils ont donné. C'est lui-ci, nous le reconnaissons, cet enfant, nous le reconnaissons, c'est lui le Messie, c'est lui le Sauveur, c'est lui qui est digne de nos genoux, c'est lui qui est digne d'être adoré. Toi, tu adores qui? Il y a des gens dans ces messages. Au lieu d'adorer la grande étoile qui est Jésus-Christ, ils adorent l'étoile messager Branham. Oh, mon Dieu, Branham. Oh, je vais adorer Branham. Si tu adores l'étoile, tu es idolâtre. Tu as tapé à côté. Si tu adores les messagers, tu as raté. Si tu adores les prophètes de Branham, tu es encore païen.
païen, tu n'as rien compris. Tu n'as rien vu. Au moni na yo elle a kokitu. Au comprendre na yo elle a kokitu. Mais lumière. Il y a message à Branham. Il y a ujumbe à Branham. Et Seigneur me maïon angai. Église Mobimba. Vers Jésus Christ. Tournez vos regards vers Jésus Christ. Tournez vos regards vers Jésus Christ. Tournez vos regards vers Jésus Christ. Nous avons vu son étoile et nous sommes venus ici pour l'adorer. La lumière est ici. Le message est ici. Le Saint-Esprit est ici. La guérison est ici. Les bénédictions sont ici. C'est pourquoi, ayant vu cela, ayant compris cela, je suis venu pour l'adorer. On ne m'a pas appelé. Ce n'est pas le problème de papa ou bien de maman. Ou bien des sangasi, ou bien des pasteurs, ou bien de ma femme, ou bien de mon mari, ou bien des frères tels, ou bien des sœurs tels. Non, nous avons vu son étoile, nous sommes venus pour l'adorer. Que le Seigneur vous bénisse pour aujourd'hui, dans le nom de Jésus Christ. Nous allons nous lever pendant que nous chantons. Ouvre mon âme. Alléluia. Alléluia. Oh Dieu. Oh Mungu. Merci Seigneur Jésus-Christ. Sainte Jésus Christ. Gloire à Dieu. Tukufu kwa Mungu. Que la lumière de Dieu éclaire ta vie. Yangaze maisha yako. Que la lumière de Dieu éclaire ton voyage. Yangaze safari yako. Que ta vie ne soit pas sombre. Que ta vie ne soit pas obscure. Non. Que la lumière de la parole vous éclaire toujours. Ikuangaze daima. Oh merci Seigneur. Oh Sainte Bwana. Avec Dieu nous élever. Na mikono yetu kinyanyuliwa juu. Tutaimba tenzi moja na kila moja ataomba Bwana. Haleluya. Haleluya. Nous avons vu son étoile et nous sommes venus pour l'adorer. Mon frère, ma soeur, si tu as vu sa gloire, adore-le. Si tu as vu sa puissance, adore-le. Si il t'a sauvé, adore-le. Celui le prince de paix, le fils de la vallée, la brillante étoile du matin. Merci Seigneur Jésus Christ. Nous avons vu son étoile là-bas en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Ils ont amené de l'or, ils ont amené de l'encens, de la mire, tout ce qu'ils avaient de merveilleux. Ils sont venus pour donner comme des dons, s'approprier des dons excellents à Jésus Christ, le Messie. Alléluia. Merci Seigneur.
Que le Seigneur t'aide. N'aie pas regardé la maison. N'aie pas regardé les hommes. Mais regarde à la lumière qui brille. Regarde ton message. Tu es là pour nous guider. Le Saint-Esprit de Dieu. Dieu est ici. La lumière qui est Christ lui-même. La brillante étoile du matin. Qu'il puisse éclairer ta vie ce soir. Que l'obscurité puisse quitter ton âme, quitter ton foyer, quitter ton travail, quitter ta vie. Que la lumière de Dieu puisse briller dans ta vie. Alléluia. Merci Seigneur.
simame juu. Le grand jour s'est levé. Sikukubwa imeamka. Dieu nous a visités. Mungu ametutembelea. Voici les temps nouveaux. Sama wakati mpya. Chantons gloire à l'agneau. Tuimbe utukufu kwa Mungu. Nous recevons le Christ. Napokea toka kwa Kristo. Ce qu'il avait promis. Yeye aliahidi. Le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. Et là. Iko hapa. La mort a disparu. Kifo imetoweka. Le péché est parti. Dhambi imetoweka. La moralité est partie. Ulimwengu imetoweka. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, les grands jours s'est levé, le Saint-Esprit est là, l'obscurité s'enfuit, la lumière a jailli, chassé les cœurs troublés, toute incrédulité, car Christ le roi des rois, répand l'esprit des foi, le Saint-Esprit est là. Ta main, Père le Seigneur, le Saint-Esprit est là. Le féroce de Marie-Christ, vous avez libéré pour la parole. Dieu connaît ton besoin, Dieu connaît ton désir, Dieu connaît l'obscurité que tu traverses. La lumière est ici pour chasser l'obscurité des maladies, des péchés, des souffrances. Le Saint-Esprit est là. Il est la lumière de ta vie. Il est la lumière de ta maison. Il est la lumière de ta santé. Il est la lumière de ton travail. Ayez foi en Dieu. La lumière est toujours plus forte que les ténèbres. Peu importe les ténèbres et les problèmes. La lumière est capable de les chasser. Avec une main levée, le Firoche va faire une courte prière. Et que Dieu exauce la demande qui est derrière cette main. Dieu Tout-Puissant, le Créateur de ces éléments, nous te bénissons, nous t'élevons, nous disons merci beaucoup. Chaque jour qui pense, la parole va nous amener à une certaine dimension. Voilà ce soir qui vient de nous parler, et nous sommes des étoiles. Qui vient de nous parler, et nous sommes ici parce que l'étoile nous a conduits dans une grande lumière. Dieu le Seigneur Jésus-Christ. Père Céleste, Baba, si nous sommes là ce soir, ce n'est pas à cause de ces bâtiments, ce n'est pas à cause de Véki, ce n'est pas à cause du mariage. Et si nous sommes là, c'est parce que le toit nous a conduits dans cette grande lumière. Dieu le Seigneur Jésus-Christ. Laisse que cette lumière
être dans chacun de nous. Pour que Seigneur, nous puissions rayonner dans cette obscurité qui est en train de planer dans ces temps de la fin. Bénis cette parole dans la vie de chacun. Bénis ton serviteur en qui il a écrit cet après-midi. Le Saint-Esprit de Dieu puisse le oindre le jour à venir. Si vous êtes au courant de la Zélie, le Pélin, à toi la louange, la gloire, la puissance, au siècle des siècles, au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Dans le nom de Jésus-Christ. Je bénis ses salutations rapidement. Qu'il prenne les enfants. Et nous allons partir. Salutations. Salamu.